Bonjour à tous, c'est vendredi, c'est jour de sortie. Alors avant de vous présenter toutes les nouveautés qu'on a reçues cette semaine, hein, la table est bien chargée, une petite info, le samedi 11 juin, nous allons accueillir la sélection des championnats de France du tournoi de séquence. Voilà, si vous avez envie de venir participer, pas besoin de savoir jouer au jeu avant, et puis c'est éventuellement un week-end à Paris à la clé pour la finale, donc n'hésitez pas, samedi 11 juin de 11h à 18h. On y va, on démarre avec les sorties et on commence avec Pokénroll. Pokénroll, c'est du petit jeu qui revisite un petit peu le Yetse, le Yam, dans lequel vous allez faire des combinaisons de dés, cocher sur votre fiche, et puis il y a un système de prise de risque, c'est vraiment très sympa, un bon jeu d'ambiance. Ensuite, nous avons reçu des gros machins, avec par exemple Destiny. Destiny, c'est un jeu pour grands joueurs, narratif, qui se joue également avec une application. Voilà, c'est une sortie qui est assez attendue. Et attendue aussi, la baie des marchands. Alors, grosse boîte, hein, elle pèse son poids. Dans la baie des marchands, vous allez incarner un personnage qui a un métier particulier et qui va du coup avoir une mécanique de jeu particulière. Donc, vous l'avez peut-être compris, c'est du jeu asymétrique et le but c'est d'être le meilleur marchand et de satisfaire ses clients. Toujours en stratégie, plus simple cette fois-ci, deux joueurs, Aqualin. Aqualin, c'est un bon petit jeu tactique pour deux joueurs, c'est du jeu de placement, c'est une règle très simple qui s'apprend en 2 minutes. Voilà, si vous aimez ces petits jeux faciles à prendre en main mais malins, c'est fait pour vous. Également est arrivé de nouveaux Exit. Donc le vol vers l'inconnu, l'affaire du Mississippi, c'est les deux derniers qui sont arrivés. Exit, hein, jeu d'escape game chez Yellow, une aventure dans chaque boîte. Ensuite, on va passer plutôt chez les... Ah non, d'abord je vais sur Chronicle of Crime. Chronicle of Crime, puisqu'on était sur le jeu d'escape, donc c'est la version 1900 qui reprend Chronicle of Crime, hein, donc le crime et mener son enquête. Cette fois-ci, on arrive... À l'époque 1900, vous avez de nouveau des enquêtes. C'est une boîte de base. Allez, les enfants, on reviendra après par là. Chez les enfants, on a reçu Logicase. Alors, Logicase, c'est ce jeu-là. C'est un petit jeu très malin. C'est des jeux de défis. C'est pour 4, 5, 6 ans. Il y a plein de boîtes starter. Dedans, c'est des petits défis. Il faut comprendre la consigne. C'est autocorrectif puisqu'on va placer le petit curseur. Hop, il est caché qui est là. Dans les trous pour se corriger soi-même. Et puis il y a des petites recharges. Elles sont ici. Vraiment un petit jeu super pratique pour emmener en vacances, pour mettre dans la voiture. Également, pour en vacances et mettre dans la voiture, le jeu de l'échelle, version la jungle. Et puis le 4 à la plage qui revisite également le puissance 4. C'est du jeu magnétique. Donc ça se joue dans la voiture, ça se glisse dans la pochette du siège. C'est pratique, c'est malin, c'est pour jouer avec les enfants, avec les parents. Ça marche bien. On a également chez les petits, alors chez les petits, chez les plus jeunes on va dire, hein, plutôt c'est plus sympa. L'arène de Champfleury, c'est le dernier livre, ma première aventure, où cette fois-ci on est au royaume des abeilles. Et dans ce jeu, dans ce livre-jeu, on va faire des choix et l'histoire va changer à chaque partie. Nous avons reçu des Pokémon, donc c'est le set de joueurs avec tout le matériel pour découvrir les règles de jeu Pokémon. Le nouveau booster Yu-Gi-Oh! Qui vient d'arriver et qui est disponible depuis hier. Également, nouveau, le double Pat Patrouille pour les plus jeunes et pour les amoureux des chiens. Et enfin, l'extension de Clank Legacy, 4 nouveaux personnages pour jouer à Clank. Voilà, ça se combine, c'est une extension, hein, ça se combine avec la boîte de base, sans problème. Et puis ça se combine apparemment bien avec la dernière extension, la grande aventure, 5-6 joueurs. On a fini les nouveautés, on passe au réassort rapidement. Chez Catan, les extensions sont toujours en rupture, mais arrive quand même Marin, c'est la seule qui est dispo en ce moment. On a également reçu de nouveau The Key, jeu de déduction. Très bon jeu si on a envie d'avoir un jeu de déduction rejouable. Très familial, le Rumi qui fait son retour, et puis enfin, le petit Uno Harry Potter. Voilà, je pense qu'on est proche des 5 minutes, je m'arrête là, et je vous dis à la semaine prochaine!